Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec beaucoup d'entrain que nous vous retrouvons sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du président du PEA 48, le parti d'esprit David 48, Mpondo Jean-Marc Ngos, celui-là même qu'on présente comme le prochain chef d'État de la République du Cameroun. Bonjour, président. Bonjour, Monsieur Thierry Nyampé. Bonjour à vous. Bonjour à vos équipes, à votre équipe. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs du Cameroun et de par le monde. Soyez les bienvenus dans ma modeste demeure. Et merci de m'avoir fait l'amitié de venir recueillir mes impressions sur la marche de la nation. Nous allons parler des sujets d'actualité au Cameroun, mais également de votre formation politique, parce qu'il est clair que vous étiez au devant de l'actualité il y a quelques jours. Mais pour commencer, on vous présente comme un initié, de quand vous qualifiez même de magicien. Et certains même sont allés un peu plus loin en soulignant que vous êtes un enfant de la rue. Pour la gouverne des téléspectateurs de Reflet d'Afrique Télévision, qui est exactement Jean-Marc Ngos? Ben écoutez, vous m'arrachez un sourire. Ça me renvoie au titre paru dernièrement dans le journal Le Messager où on a titré l'énigme Jean-Marc Ngos, l'énigmatique. Donc écoutez, je crois que sans le vouloir, je suis en phase effectivement avec cette prophétie sur la marche de notre nation, lâchée par un de nos pères fondateurs, Robert Oumiaba, en 1957, lors d'un entretien avec Mgr Mongo, où il décrivait les trois pouvoirs importants qui allaient constituer le socle du Cameroun moderne. Et ce qui nous intéresse, c'est le troisième pouvoir, parce que le troisième régime, parce qu'il disait que le premier régime viendra des longues robes, le deuxième viendra de feuilles de manioc, le troisième sera issu de quelqu'un qui viendra du ventre de l'oiseau, c'est-à-dire de l'avion, vêtu d'un court pantalon chasse-mouche. C'est comme ça que je suis rentré au Cameroun le 6 avril 2013. Et celui-là sera jeune, philosophe, intellectuel, magicien, polyglotte. Il viendra dans un marasme. Il y aura des affrontements fratricides. On voit ce qui se passe dans les régions anglophones de notre pays. Et aimé de tous, il prendra le pouvoir. Le pays sera stabilisé à jamais. Alors, par cette prophétie majeure, qui m'a toujours rappelé la prophétie majeure qui annonçait l'avènement au pouvoir de Chaka Zulu, la naissance d'une grande nation Zulu. Cette prophétie disait un royaume naîtra dans le fracas de lance, dans le sang. Il sera dirigé par un roi qui s'appellera Chaka. Chaka sera issu de l'union d'une princesse et d'un prince qui deviendra lui-même roi. Et le nom Amazulu symbolisera la terreur. Et le prince Senzaga Kona rencontre la princesse Nandi. Ils s'accouplent, seulement ils ne vont pas se marier, ils font un enfant qui s'appelle Chaka Zulu. C'était le descriptif de la prophétie. Vous aviez donc des sorcières comme Sétabé, qui avait 700 ans quand même, et qui veillait à ce que la prophétie soit accomplie. Alors quand une prophétie majeure est accomplie, elle doit aller à son terme. Parce qu'il y a, par exemple, au Cameroun, le Cameroun mystique et profond qui veille. Et je crois que le mystique n'est pas à confondre avec le mysticisme, qui est issu des pratiques maléfiques, des pratiques humaines, satanistes, sectaires. Le mystique, c'est tout ce qui est régi par Dieu. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu, ne pas être mystique. Donc, Abraham était mystique, Joseph était mystique, Jacob était mystique, Moïse était mystique, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était mystique, Jésus était mystique. Mais écoutez, Jean-Marc Ngos est un serviteur de Dieu. Je suis donc mystique. Et parce que Dieu dit, vous marcherez sur le lion et sur l'aspique, vous foulerez le lionceau et le dragon. Donc, l'homme est la mesure de toutes choses, mais en même temps, par la grâce divine, l'homme est le maître de l'univers. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aller être appelé à diriger les hommes, commander les hommes, quand vous êtes incapable de commander les éléments, de commander les animaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et par la même occasion, je crois qu'il faille bien être en phase avec la prophétie, qui dit l'homme est jeune, philosophe, intellectuel, polyglotte, magicien. Je vous rappelle quand même que j'ai inventé le tout premier courant politique africain, qu'on appelle le carantisme, qui a une définition philosophique. Le carantisme se définit sans comme étant cette œuvre existentielle qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives. Dieu à l'omnipotence mercantiliste dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et de la perte des valeurs humanistes. Donc en résumé, c'est le courant politique qui fait donc de l'homme, M. Thierry Nyampé, une finalité non plus un tremplin, tout au profit de l'homme et non au détriment de l'homme. Donc c'est le tout premier courant politique africain parce qu'il a en ceci que dès qu'on a aux affaires, on appliquera les réformes carantistes. Parce que quand les socialistes sont aux affaires, ils appliquent les réformes socialistes. Quand les communistes sont au pouvoir, ils appliquent les réformes communistes. La différence entre un projet, entre un courant politique et un courant de pensée, c'est que le courant de pensée est plus théorique, idéologique que pratique. Parce que le courant politique est
plus pratique et il influence au fonctionnement institutionnel. Donc quand les 40istes sont au pouvoir, ils appliquent donc les réformes 40istes. Maintenant, pour ceux qui me taxent d'être enfant de la rue, je crois que la rue n'accouche pas. La rue n'accouche pas. Parce qu'il n'y a pas de grande destinée, de grand pouvoir sans grandes épreuves. Il savait qu'à un moment donné de ma vie, j'ai passé 8 mois de ma vie à la rue. Et j'ai été fier de passer ce cap-là. Parce que Fab disait, c'est une insulte à la nature que de dire je devant une situation qu'on ne connaît pas. Mon père, M. Ngos Félix, était directeur à la SINEC avant d'aller à la retraite. C'est l'homme qui a abrité le congrès, le tout premier congrès unitaire de l'UPC post-Maki en 1991 en Consamba. Et puis un dimanche, il y a l'ex-préfet qui était d'ailleurs secrétaire général de l'Assemblée nationale, Kester, je crois, M. Namé Samson, qui va arriver chez nous sous prétexte qu'il n'y a pas d'eau chez lui. Monsieur le préfet, voyez un préfet qui descend sur le terrain un dimanche. Et là, dans notre concession en Consamba, si vous voyez un Consamba au quartier 1, on habitait un duplex comme ça. Et là, il y avait les UPC remplis dans la cour, les Ndetoumaza, les Chumbangwanke, les Etienne Soman, les Ndika Kwaya Bonambela, les Augustin Frédéric Kodok. C'est chez nous qu'on les choisit comme secrétaire général. J'étais tout jeune à l'époque. Et ils sortaient fraîchement de la clandestinité. Il fallait remettre l'UPC en ordre de bataille. Ça s'est fait chez nous. Mon père était fiché par les services spéciaux. Donc, nous avions la grâce d'avoir des joueurs à Noël. On avait la grâce d'être accompagné à l'école par des chauffeurs. Et très tôt, j'ai commencé à stigmatiser la misère. J'ai écrit mon premier roman en troisième, qui s'appelait Destin. Et mes premiers textes de rap, de poésie, je les écrivais à cette époque-là. Je stigmatisais la misère. Je m'offusquais déjà contre les injustices sociales. Alors, il était donc de bon ton que je sois en phase avec la vision de Fab. Si vous voulez, l'approche de Fab qui disait que c'est une insulte à la nature que de dire « je » devant une situation qu'on ne connaît pas. Donc quand vous dites « j'étais mendiant, les gens m'ont torturé », alors que vous n'avez jamais été mendiant, vous insultez la nature de ne pas vous avoir fait mendiant au moment où des gens donneraient tout pour ne pas vivre cette condition-là. Alors il est parlant donc de misère, me personnifiant devant la misère, comme Richard Wright dans Black Boy, vous avez certainement lu Black Boy, et disait je m'endormais sur mon lit, pensant qu'elle s'en irait, cette famille qui me tenait, et à mon réveil, elle était là, me regardant, elle ne partait pas. Alors il personnifie la faim, il donne un visage à la faim, à la famille qui le tenait. Donc j'ai donc estimé qu'il était de bon ton de me reconnaître dans les épreuves, les difficultés de la vie. Et c'est comme ça que j'ai passé 8 mois de ma vie à la rue. Quand cette épreuve est arrivée à son terme, je suis reparti de là. Vous savez, Joseph a été esclave. Joseph a été prisonnier en Égypte. Donc il n'y a pas de grande destinée sans grandes épreuves. Je vous rappelle que David a été fugitif. Aujourd'hui, je l'affirme avec force et conviction, je suis le prochain chef de l'État. Et le mortel qui va l'empêcher n'est peut-être pas encore créé. Pourquoi ? Je ne dirais pas qu'il n'est pas né, il n'est même pas encore créé. Il y a un chef qui est là, je le respecte, je n'ai pas peur de lui, il fait ce qu'il a à faire avec les réalités de son temps. Mais quand il part, moi, gosse, je serai assez étourdi. Et rien ni personne ne va l'empêcher. Pourquoi ? Parce que je fais confiance à la capacité de discernement du peuple camerounais, de mes compatriotes. Pourquoi ? Parce que j'ai un projet en béton. Pourquoi ? Parce qu'il y a 11 ans aujourd'hui, en 2007, en 2006, j'ai mis le parti sur pied avec le défunt Lapiro de Manga. Et en 2007, j'ai adressé une correspondance à l'actuel chef de l'État pour donner des pistes de réflexion comment sauver le Cameroun. C'est moi qui demande qu'on construise l'université à Bamenda. C'est moi qui demande qu'on construise un port à Limbé. C'est moi qui demande de goudronner la route que maman fait pour sauver l'unité nationale. Si durement acquis, si chèrement obtenu. Je demande d'indemniser les victimes de la catastrophe du lac Nyos. Je crois que ce journal-là, il faut me l'apporter, je vais le montrer afin que nous l'ignorons. Je saisis le chef de l'État via une lettre ouverte. Une lettre ouverte programme qui a d'ailleurs insufflé la rédaction du DSCE parce que je disais qu'il fallait récupérer 1/5 des avoirs détournés par les prévaricateurs de la République à partir de 50 millions. Ça a conduit à la création du tribunal criminel spécial de la CONAC. J'ai demandé l'instauration des urnes transparentes aux élections. Nous étions en 2007, je vais vous montrer les manuscrits. Et à l'époque, juste avant ça, on m'a approché pour me dire, le chef de l'État dit, je suis pas devant vos caméras, vous serez ses yeux, ses oreilles à Douala, il veut que vous entrez au gouvernement, vous allez être nommé ministre, il n'y a que la pluie et le soleil qui vont vous toucher. J'ai dit à cette équipe du cabinet civil qui a passé 2 semaines dans mes murs, je leur ai dit, allez dire au chef de l'État, la pluie et le soleil ne me touche pas. Qu'il rapatrie la dépôt du fait présent à Badou Aïdjo, comme acte de décrispation politique. Qu'il construise une université à Bamenda, qu'il construise un port commercial à Limbé. Parce qu'on peut avoir un port commercial à Douala, à Kribi, et qu'on n'en est pas sur Limbé qui a un débouché maritime. J'ai fait donc des propositions, et elles ont été prises en compte. Je peux donc dire aujourd'hui à mes compatriotes, quand ça n'allait pas, je me suis inscrit, merci,
Je me suis inscrit dans une approche propositionnelle. Parce que certains disent casser, brûler, bien, Ibn Mosgo, je n'aime pas le citer, mais ce n'est pas un projet de société, il doit partir. Je crois qu'on ne doit pas faire de la critique à Seb, on doit proposer. Vous avez ici le propos du 20 avril 2007. OK ? Vous voyez ici, Jean-Marc Ngos écrit à Paul Biya, lettre ouverte. Nous étions en 2007, il y a 11 ans. Et là, dans cette lettre ouverte, ici, elle est là, la fameuse lettre. Vous voyez les encarts au stylo, là. Vous voyez, ce sont des archives que j'ai conservées. C'était le Propolis, un journal crédible. Je saisissais le chef de l'État pour lui dire le pays va mal. Je vous lis juste un extrait avec votre permission. Excellence, en ce moment où l'unification de notre pays est devenue chancelante, il vous appartient d'agir à travers des actions constructives, avec entre autres construire un hôpital général université bilingue à Bamenda, indemniser victimes de la catastrophe du lac Nyos, rendre opérationnel le port naturel de Limbé et en faire un port commercial et international, au même titre que le port autonome de Douala. Rendre aussi compétitif le port naturel de Tiko et en faire un port à bois, à fruits et à d'autres produits agricoles. Bitumant à nouveau l'axe Koumamanfé. Bref, mener de vrais et gros investissements dans cette partie du pays. Je suis convaincu par ces réalisations, vous sauverez l'unité nationale, si chèrement acquise, si durement obtenue. Prenant en compte l'apport des femmes et leur taux élevé dans notre pays, d'ailleurs nommer une femme Premier ministre et l'histoire le retiendra. Excellent dans l'objectif de lutter contre l'insécurité, à l'heure des primes aux citoyens qui aident l'État dans le démantèlement de hors la loi. Excellence, Monsieur le Président, vous avez le souci d'organiser dorénavant des élections transparentes au Cameroun. Eh bien, vous avez la volonté, mais il faudrait encore l'actualiser, la traduire en acte, avec entre autres instaurer l'utilisation des urnes transparentes et l'encre indélébile. Rappelons ici les propos d'Abraham Lincoln, je cite, « On peut tromper tout un peuple pendant un temps, une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut tromper le peuple tout le temps. » Fin de station, je m'arrête là. Nous sommes en 2007. Nous sommes en 2007. Et je dis ici, Excellence, si vous permettez, avant d'achever cette correspondance, permettez-moi de vous adresser au nom du peuple tout entier. Cette doléance qui pourrait être un acte de crispation politique à l'endroit du peuple et de cet homme qui vous a remis ce pays comme continue à gérer jusqu'à présent. En effet, Excellence, Monsieur le Président, grande serait notre joie si vous faites table rase du passé, à tort ou à raison, en acceptant de faire rapatrier au Cameroun la dépouille du feu président Amadou Ahidjo, même si la loi du talent l'aurait jusqu'ici condamné pour avoir refusé en son temps de faire de même pour la dépouille mortuaire du feu carantiste Félix Oluwa Moumia, assassiné le 3 novembre 1960 à Genève par un espion en service secret français à la personne William Bechtel qui vit encore à ce jour. Le président Chirac, au sujet du génocide arménien par les Turcs, déclarait « Chaque État doit reconnaître ses erreurs du passé et se réconcilier avec son histoire. J'espère donc que, compte tenu de vos relations avec M. Chirac, le président Chirac, vous le demanderez de reconnaître avant son départ de l'Élysée les massacres qu'ils ont fait subir au Cameroun durant l'époque coloniale au cours de nos parents, durant l'époque coloniale au cours de laquelle l'on taxait nos ancêtres de maquisards. Sinon, le peuple camerounais nous tensera pour être resté indifférent à l'égard des leçons des dirigeants de ces nations qui nous ont colonisés hier. Henri-Frédéric Amiel ne nous apprend-il pas que si nationalité, c'est contentement, État, c'est contre. Ce qu'on observe, c'est quand même que cette lettre est d'une actualité déconcertante. Voilà le manuscrit. Voilà le manuscrit de cette lettre. À la main. On peut l'authentifier. Voilà. Nous étions en 2007. Il y a 11 ans. Et les choses n'ont pas bougé. Et j'avais demandé de baisser le prix d'enrées de première nécessité. Si j'avais été écouté, on n'arrivait pas aux émeutes de 2008. Je rappelle que, qu'entre cette lettre et aujourd'hui, le président français est arrivé au Cameroun une fois. C'était François Hollande qui a reconnu les massacres qu'ils ont commis sur nos parents. Je rappelle pour ceux qui l'ignorent qu'en 2017, l'année dernière, pour la première fois, le tout premier meeting au stade Sikam, j'avais opposé mon dégoût, si vous voulez, mon rejet face à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous avez vu le Cameroun mystique et profond l'a rejeté. Après que le président de la CAF soit venu à Yaoundé, en grande pompe, qu'il ait donné les assurances, Dieu a montré qu'il est souverain. Voilà, justement, parce que vous parlez de cette actualité, si vous le permettez, nous allons quelque peu l'aborder. Il est clair que l'information, cela fait d'ailleurs 2 semaines que l'information court les rues. Le Cameroun n'organisera pas la CAN en 2019. Quelle a été votre réaction? Les grands hommes aiment à parler des idées, les gens moyens parlent des événements, et les petits gens parlent des individus. Ils me posent souvent un problème, j'ai souvent de la peine à commenter l'actualité de ce que fait le régime actuel, parce que j'estime qu'il fait avec les réalités de son temps. Donc, toutefois, parce que je dois bien émettre un point de vue, vous savez,
Le silence est la reine mère de toutes les formes de communication. Et quand on n'est pas sûr que les mots qu'on emploiera seront plus forts que le silence, il est souvent judicieux de ne pas briser le silence. Donc, je vais employer des mots, souvent pour qu'ils bougent la ligne, mais toutefois, s'il faille donner mon avis, parce que vous posez la question, je dis que c'est une abominable misère, c'est regrettable. C'est regrettable parce que c'est la preuve à suffisance que le régime actuel a échoué. Et c'est un secret de polichinelle, vous vous souvenez. Pour ceux qui l'ont oublié en 2013, le chef de l'État payait le régime actuel de son temps. En 10 ans, ils ont échoué. Et ça m'a rappelé ce que le président, le défunt doyen Omar Bongo Ndjimba, dit le 3 janvier 2009 à Libreville. Ce que nous avons fait du Gabon, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Et il est en colère. Et quand il voudra nous sanctionner, il nous sanctionnera. Le président actuel a fait son meilleur maxima culpa en 2013. On a attendu qu'il sévisse, et bien il n'a pas sévi. On a dit, c'est bon, là il va réagir. Vous avez vu, lors d'une prestation de vœux au palais, il y a un ministre de la communication pour une histoire de PB, d'ordinateur, c'est pas moi, de laptop, j'appelle ça des notebooks, hein. Quand on nous a dit avoir acheté 75 000 francs l'unité, moi en tant qu'inventeur, je peux le livrer à l'État camerounais à 20 dollars l'unité. Il lui a serré la main, il a rabroué, on était sûr. 20 dollars, ça peine 10 000 francs. Vous me donnez 13 000 francs, avec le transport et tout compris, 13 000 francs, je vous livre ça. Moi, 1 milliard d'exemplaires. Je suis inventeur, je suis dans mon domaine, je sais de quoi je parle. C'est une grosse arnaque, c'est une grosse escroquerie, c'est une prévarication à ciel ouvert. Alors, il a rabroué le ministre de la Communication, le ministre des Enseignements supérieurs. Et il lui a. Ça fait le beurre sur la toile, tout le monde était sûr qu'il allait sévir. Il n'a pas sévir. Jusqu'aujourd'hui, il est aux affaires. Donc, à un moment donné, on se dit, la normale est devenue la norme. Alors, cette société d'antivaleur, qu'il me déplaise de donner mon sentiment sur ce qu'ils font et ne font pas. Pourquoi? Parce que, M. Thierry Niopin, nous avons des solutions pour régler tous les maux qui minent le quotidien des Camerounais. Qu'ils traînent le Cameroun dans la boue, pour nous, ce n'est pas un problème, nous avons des solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train de connaître sa poussée d'Archimède. Pour ceux qui ont fait la physique, ils se retrouveront. La poussée d'Archimède, c'est cette charge qui tombe sur l'eau et qui descend, commence à descendre droitement vers le fond. Et aussi longtemps qu'elle ne touche le fond, elle ne peut remonter. Mais aussitôt qu'elle a touché le fond, il y a cette poussée qui la repropulse à la surface. C'est elle qu'Archimède a calculée. On l'a appelée la poussée d'Archimède. Le Cameroun est donc en train de traverser sa poussée d'Archimède. Il va connaître le fond et il nous sera donné de relever la nation. C'est à ça qu'on se prépare. Mais je dis, le retrait de cette canne est une abominable misère. En même temps, l'ambiguïté ici veut que ce soit une très bonne nouvelle. Comment aller festoyer, comment aller organiser une canne quand on a deux régions de notre pays qui sont en guerre? Comment aller organiser une canne quand on a des compatriotes qui arrivent à peine à mettre une marmite au feu une fois par semaine? On n'a pas le droit, si vous le voulez, Président. Mais est-ce ce qui peut nous amener à croire ou à comprendre que plus d'un mois après sa prestation de serment, alors que les Camerounais attendent la mise en branle du gouvernement des grandes opportunités, comme on les avait appelées lors de la campagne électorale en vue de l'élection du 7 octobre dernier, que les choses ne bougent pas. On attend un gouvernement au point où, dans les réseaux sociaux, chacun y va de son latin avec des propositions parfois assez complexes et compliquées, au point où on voit des gouvernements émerger de nulle part. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? L'explication vous paraîtra plus ou moins compliquée. Vous savez, il y a le pouvoir mystique et physique. Il y a le rationnel et l'irrationnel. Il y a les cartésiens. Vous avez les apôtres de Descartes hein, qui sont cartésiens, qui veulent une explication scientifique et rationnelle à tout. Vous avez d'un côté les kantiens, les apôtres de Kant, qui sont dans le déni, le rejet de tout. Mais au milieu, vous avez aussi, vous pouvez avoir les mystiques qui marchent par la foi ayant ceci de particulier, qu'elle voit l'invisible, elle croit à l'impossible, et elle reçoit l'incroyable. Alors l'explication est là. Quand le roi Saül a été rejeté dans les Saintes Écritures, il est allé d'humiliation en humiliation. Quand Dieu vous retire son onction, ce n'est pas le jour où vous tombez. Le roi David a reçu l'onction comme j'ai reçu l'onction. Il s'est écoulé 20 ans. Il a vécu comme fugitif. Aujourd'hui, le vieux a été rejeté, il faut le dire, par le Cameroun mystique et profond, par Dieu créateur suprême de l'univers. Nous irons donc de déshonneur en déshonneur, d'humiliation en humiliation. Il faut le dire aux Camerounais. Il n'y a donc plus rien à attendre de ce régime. Aujourd'hui, c'est juste un emballage vide. Ils sont là le temps de notre accession à la magistrature suprême. Donc, quand un emballage est vide,
Quand un chef n'a plus l'onction, les choses se passent comme on le voit aujourd'hui. Dieu lui a retiré l'onction. Est-ce qu'il a envie de se racheter, de revenir à l'Éternel? Ben, s'il se rachète, Dieu fera les choses différemment. Aussi longtemps qu'il se meuve, qu'il s'enferme dans l'égocentrisme, dans l'orgueil, dans les égos omnipotents, ben écoutez, on ne sortira pas de l'ornière, on ne sortira pas du marasme dans lequel on est aujourd'hui. Moi je dis, c'est un non-événement, ça ne me surprend pas. Notre chef de l'État est à l'image de ce que nous sommes. Un peuple d'aigris, de jaloux, de fourbes, de cyniques. On ne pouvait pas voir mieux que lui. Aujourd'hui, si les Camerounais reconvertissent leur mentalité négative, s'ils remettent Dieu au centre de leur vie, je parle du Dieu suprême, Alpha Omega, appelez-le Allah, appelez-le Job, appelez-le tout ce que vous voulez, si on lui redonne cette place-là, vous verrez notre nation décoller. Aussi longtemps qu'on s'enferme dans les sectes, dans les pratiques maléfiques, ben écoutez, on ira d'humiliation en humiliation. Présent, le chef de l'État vient de promulguer la loi portant, enfin le projet de loi portant loi des finances 2019. Un projet qui tourne autour de 4,85 milliards de francs CFA. Dans ce projet de loi, on parlait notamment de des chantiers de la CAN, mais avec des incidences sur l'augmentation de la vie. Selon vous, comment peut-on comprendre cette ambiguïté? Du moment où la CAN a été retirée au Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure, M. Thierry Niopin, nous irons d'humiliation en humiliation, d'incompréhension en incompréhension, d'incongruité en incongruité. Ce sont tout simplement les signes caractéristiques d'une fin de règne. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'on vote un budget au Parlement en violation des délais, en violation des règles, et qu'on dise, d'accord, dans ce budget, on prend en compte l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et au moment où l'organisation de cette Coupe des Nations nous est retirée, on peut convoquer une séance plénière à titre exceptionnel pour revoir ce fameux budget. Ça pose tout simplement un problème. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent s'enrichir encore plus sur le dos de l'État, sur le dos des Camerounais, parce qu'il faut dire que toutes ces dettes qu'on contracte de part et d'autre, tous ces appels de fonds, ces emprunts obligataires qu'on fait, on sera appelé à les régler. Quand on nous prend des notebooks, 500 000 notebooks en Chine à 75 milliards, après il faut qu'on double la mise, parce que ce n'est pas payé au cash, il faut payer 150 milliards sur le long terme. C'est nous, c'est nos enfants qui vont régler cette dette-là. Je crois donc que ces aînés ne nous aiment pas. Quand on regarde le pays dont ils ont hérité, ce pays qui leur a tout donné, ce pays qui leur a donné des bourses d'études, qui leur a donné d'avoir une place dans le concert des nations, qui les a accompagnés, on se dit quel cynisme. Mais je dis simplement à la jeunesse camerounaise, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc en politique. Je dis à la jeunesse camerounaise d'arrêter déjà de se faire appeler le fer de lance de la nation. Parce que le fer d'une lance va au contact d'une proie à laquelle il ôte la vie. Mais c'est le chasseur qui vient la déguster, c'est lui qui en profite. Et quand le chasseur se met à table pour déguster cette proie-là, le fer de la lance n'est plus là. Donc aussi longtemps que la jeunesse est le fer de lance de la nation, M. Thierry Niopin, elle ne sera jamais là quand on prendra des décisions sur la vie de la nation. Cette jeunesse ne sera jamais là quand il faudra orienter l'avenir de la nation. La jeunesse doit donc être la grâce de la nation. Et je dis, le marasme dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, nous payons le prix de ce que nous sommes, de ce qui devait nous arriver. Nous sommes, je l'ai dit, je n'arrêterai pas de le décrier, aigris, jaloux, fourbes, cyniques, méchants. Et notre jalousie émane de quoi? Elle émane du fait que très tôt dans notre tendre enfance, on confesse la jalousie. Dans notre hymne, on dit « Va debout et jaloux de ta liberté ». Mais quand tu es debout et jaloux de toi-même, c'est tout simplement la sorcellerie, M. Thierry Niopin. On doit pouvoir être debout, garant de sa liberté, debout fier de sa liberté, debout défenseur de sa liberté, mais pas jaloux de sa liberté. Parce que la parole est fondatrice de toutes choses. Aussi longtemps qu'on confessera qu'on est jaloux de soi-même quand on est debout, nous serons un peuple de sorciers,
On vivra tout ce qu'on traverse, tout ce que notre pays vit aujourd'hui, où les compatriotes se divisent, un Camerounais se lève contre un Camerounais, sous le prétexte du tribalisme, on appelle les uns Théontinards, les autres Sardinards, les autres Machinards, que sais-je encore. Est-ce que c'est l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs? Alors, un budget aussi élevé, quand on sait justement que dans des régions telles que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la vie a été presque arrêtée, comment peut-on estimer, comment peut-on imaginer qu'il sera atteignable ou qu'on pourrait, au regard des prévisions, faire sans les partis anglophones du Cameroun? Mais c'est ce que j'appelle la gouvernance de prestidigitation. C'est ce que j'appelle la gouvernance méphistophélique. Elle ne repose sur rien que sur les égaux. Elle ne repose sur rien d'autre que sur, si vous voulez, le vaudou politique. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que voilà, nous avons d'abord, avant même de rentrer de plein pied dans le budget, on a deux régions en guerre. Dans un pays où le chef de l'État dit qu'il faut mendier la paix, qu'on ne voit personne mendier la paix. On a organisé une élection l'année dernière, cette année, au mépris de la situation sécuritaire du pays. On a dit allons aux élections, deux régions sur huit n'ont pas participé à ce scrutin. Et vous aurez souhaité qu'on fasse quoi? Ben, on aurait pu proroger les élections et pacifier d'abord le pays. Parce que justement, le chef de l'État qui est sorti de cette élection est un imposteur. Il est un imposteur du fait que huit régions, deux régions sur huit, sur dix, ne se reconnaissent pas en lui. Monsieur Thierry Niopé, la question que je pose aux Camerounais, via votre média, je l'ai toujours posée, je saisis cette opportunité qui me choisit. Do you show that if there's central region and littoral region that were in the position that you have Northwest and Southwest today, could have they organized presidential election? I'm not sure. Je crois que le gouvernement en place allait organiser les élections d'une manière ou d'une autre parce que... Si le littoral et le centre étaient dans la position où le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont aujourd'hui, on sera allé aux élections. Le gouvernement en place, justement, estime que la loi étant dure, c'était la loi, il fallait y aller malgré les circonstances. Il fallait y aller pour quel résultat? Pour sortir des imposteurs? Pour que le chef qui émerge soit un imposteur? Puisqu'il y a deux régions qui ne se reconnaissent pas en lui. Est-ce que vous pensez juste, M. Thierry Niopé, que dans une famille de 10 enfants, 8 organisent une fête quand 2 sont au coma? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller jouer au Barça ou alors dans une équipe de football quand vous avez deux doigts gangrenés, prêts à être amputés? Vous portez quand même les gants pour jouer au foot? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Une nation se doit d'être. Le Cameroun que nous ont laissé nos parents, c'est un Cameroun inclusif, c'est un Cameroun rassemblé. L'unité nationale ne doit pas être que des 20 mots, ça ne doit pas être des discours. Ça doit être des vécus, ça doit être des faits. Ça doit se traduire dans les faits. Vous savez, moi j'ai appris la sociologie à l'école. Et j'ai appris sur mon parcours que la sociologie s'appuie sur l'approche factuelle. C'est les faits qui régissent la sociologie. C'est les faits qui définissent la sociologie. Ce ne sont pas les imaginations, les prophéties, les élucubrations ou que sais-je encore. Ça n'a rien à voir avec la rhétorique, ça a à voir avec les actes. Et on a l'impression aujourd'hui à la gouvernance de ce que nous voyons, qu'il y a des Camerounais de première zone, de seconde zone. Mais comme je vous ai dit, Dieu merci, nous avons des solutions à tout ça. Nous avons proposé... Il y a un an, au plus fort de cette crise, j'ai été à Bamenda, le 6 octobre l'année dernière, ils ont proposé 15 mesures pour une sortie définitive de crise. Et à ces mesures-là, les populations des régions anglophones ont adhéré. J'ai été à Bamenda où j'ai été fait chief tenancy title, on m'a remis un chapeau traditionnel. Et les mesures que je propose pour régler cette crise de manière définitive ont été approuvées par les populations de ces régions-là. Mais le gouvernement de la République en a également proposé. Il y a des gens qui sont descendus sur le terrain, des émissaires du président de la République, notamment le premier ministre y était. Il y a même une commission nationale pour la promotion du bilinguisme qui a été mise sur pied avec l'ancien premier ministre Peter Mafani Moussonga. Des ministres sont descendus sur le terrain et même au niveau de la gouvernance locale, des choses ont été quelque peu améliorées. Vous pensez que c'est insuffisant? C'était quelle mesure? C'était quoi la mesure? Ça coûtait combien aux contribuables camerounais? C'était à quel coût? Les mesures, c'est le désarmement qu'on voit là. Comment désarmer les gens quand il n'y a pas eu un accord politique inclusif? On va mettre la charrue avant les bœufs. Vous désarmez les gens dans une guerre asymétrique. Vous savez que qui est votre ennemi? Moi, je suis dans l'armement. Dans le cadre d'une menace asymétrique, vous ne savez pas qui est l'adversaire. C'est pas comme si c'était une guerre conventionnelle où on dit que, bon, Jacques, Georges et Antoine, qui sont dans le village Kopongo, sont armés, il faut les désarmer. Vous ne connaissez pas qui est ambazonien, qui n'est pas. Vous désarmez qui? Boko Haram, vous désarmez qui? Je vous ai dit, arrêtons avec la gouvernance de prestidigitation. C'est des argusistes, ce sont des élucubrations puériles. Les gens créent des concepts pour voler l'argent, s'enrichir encore et encore et encore, au détriment d'un peuple.
qui arrive à mettre la marmite au feu une fois par semaine, un peu pour les gens agonisent pour 100 francs de paracétamol, un peu pour on regarde son frère en chien de faïence, moi, ma femme est bamileke. Si je deviens tribaliste demain, elle est bafan banganté, mon épouse. Mes enfants vont où? Quand les bafans, les bassins et les bamileke bagarrent, mes enfants vont où? Ce n'est pas le Cameroun que les Oumyobé, les Osenda Fana, la belle Kinga, les Ernest Wanje nous ont légué. Il faut qu'on fasse attention. Quelle solution ce régime a apporté? Vous pensez que vous pouvez être juge parti? Non, c'est le pompier pyromane là. Mais dans ce cas, il y a la commission, il y a le comité national de désarmement qui a quand même été créé et qui a même été mis en branle. Cette commission, c'est pour satisfaire qui est à la tête de cette commission? Celui qui est à la tête de cette commission, c'est quelqu'un. Francis Soyengo, ancien gouverneur de région. Dans une liste, on l'a vu être interdit de sortir du territoire. C'est lui qui est à la tête de cette commission. Quel est le message qu'on envoie aux jeunes? Quel est le message qu'on envoie aux Camerounais? Voler, commettre des délits de gestion, écoutez, affichez-vous comme étant des brigands, vous serez nommés. C'est ça le message? Comité des armements pour désarmer qui? Je vous repose la question. Puisque les adversaires ne sont pas identifiés, on est dans une guerre asymétrique là. Le chef de l'État a déclaré deux guerres. Les gens disent aujourd'hui le Cameroun en paix. Nous ne sommes pas en paix, on a deux guerres sur le territoire. Il a dit, il allait aux Nations Unies, au moment où il pensait que les Nations Unies allaient entrer dans la danse, il a endormi tout le monde en disant qu'il faut pacifier le pays. On ne refuse pas. Mais comment arrive-t-il d'Abidjan à l'aéroport? Il dit c'est donc désormais clair. Donc désormais clair, ça veut dire qu'on attendait les populations au tournant. Aujourd'hui, on a nos soldats qui tombent au quotidien. Quand une mère voit son enfant entrer dans l'armée, ce n'est pas pour mourir en voulant tuer un compatriote. Qu'il meure en voulant tuer quelqu'un d'une autre nation. Mais pas mourir en voulant tuer un Camerounais. Non, alors, Pondol, comment devrait donc, quelles sont les mesures que vous proposez au gouvernement pour sortir définitivement de cet enlisement? Parce qu'on a comme l'impression que la situation dure. Monsieur Thierry, on peut voir que vous voyez que je suis devenu à un moment donné passionné. Parce qu'il y a un mélange de stress, un mélange de colère et un mélange de dégoût. Quand je parle de ces questions-là, nous avons proposé des mesures. On a dit, le problème anglophone aujourd'hui émane de quoi? Il n'est pas corporatiste. Ce n'est pas un problème corporatiste, ce n'est pas un problème qui a trait à une catégorie sociale. Une catégorie sociale, non. Le fond, c'est que nos frères anglophones veulent des garanties qu'ils peuvent présider de mort destinée de notre pays. Il faut donc leur donner ces garanties. C'est pour ça que dans notre projet, dans nos 15 mesures, on a suggéré que soit instaurée la vice-présidence et que le vice-président soit le successeur constitutionnel. Ça veut donc dire que si le chef de l'État décède, le vice-président est son successeur constitutionnel. Nous avons préconisé qu'on organise dorénavant le scrutin présidentiel à deux tours et qu'au deuxième tour, que ce scrutin présidentiel à deux tours obéisse au ticket président et vice-président. Ça veut dire si le vice-président d'origine géographique, je parle bien géographique, pas linguistique, d'origine géographique anglophone, que le vice-président soit d'origine géographique francophone et vice-versa, et vice-président successeur constitutionnel. Nous avons préconisé d'identifier les 5 grands ministères de souveraineté, à savoir la justice, la défense, les affaires étrangères, les finances et l'administration territoriale, et 2 de ces ministères de souveraineté ont à être gérés par les ressortissants des régions anglophones. Pourquoi? Parce que hier, les régions anglophones, le Southern Cameroun a failli devenir un État. En 1959, les Britanniques ont voté, laissez-moi venir me faire un bisou, viens me faire un câlin. Les Britanniques ont voté une résolution disant que voilà, le Southern Cameroun n'allait jamais devenir un État. Bonjour, chou. Ça va, hein? On va alors t'habiller. Vente là, chou. Bienvenue, chou. Alors, excusez-moi, hein, c'est. Alors, ils ont voté une résolution disant que voilà, le Southern Cameroun n'allait jamais être un État. Parce que justement, quand la colonisation démarre en 1922, le Cameroun est un. Kamboya est la capitale du Cameroun. Il n'y a pas de Southern Cameroun, mais il y a du Cameroun occidental. On est tout simplement Cameroun. Et Cameroun avait casse sous la bannière allemande. Donc à partir de ce moment-là, quand ça déclenche, je leur dis, écoutez, il n'y aura jamais de Southern, il n'y aura jamais d'État, je vais dire quoi, libre au Cameroun, indépendant, Southern Cameroun, non. Mais nous devons consolider les acquis. Et pour ça, il faut donc prendre le Southern Cameroun comme entité administrative qui a failli devenir un État. Ce n'est pas le même statut qu'on peut conférer à Ezeka, à Banjoun ou bien, je ne sais pas moi, à Batouri. Parce que Batouri et Ezeka n'ont pas failli devenir des États. Il faut bien prendre le contexte. Il faut
prendre en compte l'antériorité historique de notre pays. Et à partir de l'antériorité historique, la période pré-indépendance, nous commandons de comprendre que voilà, hier, nous étions ensemble, mais sur le parcours, ils ont failli être un État. Les problèmes donc que connaissent ces régions-là, on ne peut pas les assimiler aux problèmes que connaissent, par exemple, à Ezeka, vous avez vu la dernière catastrophe dont Ezeka est originaire. Les gens sont morts parce qu'il n'y a pas de centre de santé adéquat. Vous savez, des hôpitaux de première génération auraient sauvé beaucoup. Il n'y a pas de routes praticables en toute saison. Vous avez vu Yabassi, ça laisse à désirer. Allez à Betare Oya, allez à Ngelbedouga, allez à Mokolo, allez à Rumsiki, mais vous criez. Mais on ne peut pas. Voilà, mais maintenant, on ne peut donc pas assimiler ces zones-là aux régions anglophones qui ont failli devenir un État. On doit prendre ça en compte. Et pour ça, donc, nous avons proposé que 25% de notre Parlement, soit 45 députés sur 180, soit dévolu d'office pour les deux régions anglophones. Nous avons préconisé que la promotion des mariages mixtes francophones-anglophones soit promue. Nous avons préconisé la création d'une langue camerounaise appelée le Momir, en hommage à Félix Roland Momier, une langue nationale qui prendrait en compte le français, l'anglais et nos langues vernaculaires. Parce qu'on a des mots dans nos langues vernaculaires respectives qui sont souvent utilisés dans notre argot, dans nos expressions de tous les jours. On dit par exemple Dieu ouais mon cap, tu veux venir me guider mon cap. Guy, c'est, vous allez voir que dans une langue, Guy correspond à donner, un cap c'est l'argent, chez nos frères Grassville, chez mes beaux-frères. Donc à partir de ce moment-là, on met un comité scientifique sur pied qui nous sort une langue du Momir. Nous avons dit, après notre prise de fonction, à 2 ans, on a 2 ans pour que toute l'administration camerounaise, les établissements supérieurs, secondaires, primaires se mettent aux normes. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, aucun fonctionnaire camerounais ne devrait plus ne pas pouvoir parler couramment le français et l'anglais. Ils ont 2 ans pour se mettre aux normes. Aucun ministre ne peut être au gouvernement s'il ne parle couramment le français et l'anglais et on n'aura que 12 ministères. Nous avons préconisé un certain nombre de mesures que je vous cite là pour une sortie définitive de crise et s'il vous plaît, elles ont fasciné les ressortissants de ces régions. Le gouvernement les applique demain. Cette crise est terminée. Espérons justement que vos propositions ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Vous avez justement montré en 2007 comment j'ai saisi ce gouvernement. Mais la réaction a été lente. Et vous savez, à un moment donné, je vous ai dit, il y a le côté mystique qui veut que le parti au pouvoir soit né à Bamenda. Dans le 24 au 25 mars, ils ont allumé le feu. Le 21 août 85, on a eu la catastrophe de l'Agnos qui a fait 1800 morts. Le 21 novembre 2016, 30 ans plus tard, la crise anglophone a commencé. Dès le premier jour, on a brûlé les symboles du parti au pouvoir. C'est ainsi annonciateur de la fin de règne. Ils ont allumé le feu au nord-ouest, c'est normal que le feu s'éteigne par le nord-ouest, que le nord-ouest éteigne le régime. Il vient fragiliser le régime, tout simplement. On est dans la fin de règne. Quand le président Mobutu devait partir au Congo, au Kinshasa, ex-Zaïre à l'époque, on avait les Banyan Boulengue aux frontières avec les bruits de bottes, tout simplement. Voilà, vous avez justement initié, il y a quelques jours, une plateforme avec les autres formations politiques de l'opposition. Une plateforme qui vous permettrait, pourquoi pas, de faire bonne figure lors des prochaines consultations électorales. Et les prochaines sont certainement les municipales et les législatives. Espérons que les régionales également entreront en lice. Quel était le but, de manière assez explicite, de la mise en place de cette plateforme? Déjà, M. Thierry Niopé, je vais vous dire que j'ai lu Sun Tzu. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, dit « il ne faut pas mener des batailles perdues ». Moi, je ne veux pas une bataille pour faire bonne figure. Je veux pour gagner. Je veux pour avoir la majorité au Parlement. Je ne veux pas pour orner la galerie. Et j'ai dit aux Camerounais, je le dis aujourd'hui sur vos antennes, le chef de l'État qui est là m'appelle aujourd'hui. Il met 500 000 milliards d'euros dans chaque maison. Il me dit, Jean-Marc Ngos, dans chaque maison sur Terre, je dis bien, prenez chaque case sur la Terre, vous mettez 500 000 milliards d'euros dedans. Il me dit, voilà ta fortune. Il me dit, dès cet instant, tu es nommé vice-président de la République. N'est-ce ta mission d'être prochain chef de l'État camerounais? Monsieur Thierry Niopé, je vous regarde dans les yeux. Gardez bien cette bande. Si moi, Ngos, j'accepte ça, que je sois bâtard, maudit sur 1 milliard de générations. Si j'ai dit oui dans mes rêves, à mon réveil, que mon corps soit couvert de pustules de lèpre. Ça s'appelle l'intégrité. Un podol n'a pas de prix. Je n'ai pas de prix, on ne m'achète pas.
Je ne trahirai pas mon peuple, je ne trahirai pas mes engagements. André Malraux disait tout régime pourrisseur pourrit tout ce qui l'approche. On a mis en place une plateforme sur pied parce qu'on estime qu'il n'y a de politique pérenne qu'inscrite dans un mouvement syncrétique de dissolution de la spécificité dans l'universel. Donc la vision politique se pérennise, être celle-là qui a vocation à dissoudre dans son sein toutes les spécificités. La spécificité, c'est l'appartenance à un clan, à une tribu, à une région, à un cercle ésotérique, à une secte, à un lobby. Mais dès lors où on parle des ensembles, l'approche inclusive, écoutez, il faut qu'il y ait ce syncrétisme sociologique, là, idéologique, et que sais-je encore, pour qu'émerge l'ensemble. Et quand on parle d'ensemble, les éléments disparaissent. Donc à partir de ce moment-là, je suis parti du principe qui veut qu'on ne peut pas bâtir seul. Nous sommes unis par une communauté de cinq qui s'appelle Cameroun. Pourquoi ne pas tendre la main aux autres? On n'a pas à attendre la dernière minute, parce que le président Bongo me disait souvent, demain se prépare aujourd'hui. J'étais quand même conseiller de quatre chefs d'État, beau-fils du président Mamadou Tandja. Aujourd'hui, je n'ai pas passé ma vie dans les jupons de chef d'État, j'ai appris. Je suis aujourd'hui le seul noir inventeur de fusils d'assaut dans le monde, le seul. Comme Kalachnikov, j'ai inventé les fusils d'assaut, arrivé aux nouvelles technologies, qui vous donne le groupe sanguin du soldat, qui vous permet d'atteindre plusieurs cibles simultanément, qui a un récapitulateur, qui a une sorte de compteur qui pointe toutes les balles tirées. C'est ça la tête de cette marque technologique, Enalit 9. Ngos Online Technologie 9, le Ngos nouveau, qui fera la nouvelle technologie, la marque au petit oiseau bleu. Donc comme Apple, comme Samsung, je suis dans les smartphones. Quoi de plus noble qu'avoir un inventeur à la tête de l'État? Mais l'inventeur n'a donc pas être seul propriétaire ou détenteur du Cameroun. Il a appelé les autres à la table de la construction. Justement, vous croyez que cela suffirait à vous propulser à la tête de l'État? J'ai dit ce qui va me propulser, M. Thierry Niopé, vous ne m'avez peut-être pas assez. Oui, ce qui va me propulser, c'est le peuple camerounais à qui je fais confiance par sa capacité de discernement. Il saura discerner le bon grain de l'ivraie, il saura reconnaître ce leader politique qui n'a jamais fricoté avec le régime en place à son détriment, qui n'a jamais été dans les marchés publics, qui n'a jamais été au gouvernement, qui ne doit aucun radis à personne. Il saura reconnaître ce leader politique qui a refusé d'aller légitimer l'imposture quand deux régions étaient en guerre. Il saura reconnaître ce leader politique qui leur apporte l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine, pour que demain, sous notre régime, avec 500 francs, chaque Camerounais puisse se soigner décemment. Avec 250 francs, un Camerounais à mobilité réduite, handicapé, peut se soigner décemment. C'est ça l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable républicaine, le projet Amour que je porte. Ils sauront reconnaître ce leader-là qui crée chaque année 200 hommes d'affaires camerounais, soit 20 par région, dans une approche équitable de la gouvernance. Et ces hommes d'affaires auront le devoir d'employer 95% de la main-d'œuvre camerounaise, parce qu'il y a 70% de jeunes, et le droit d'employer 5% de main-d'œuvre étrangère, parce qu'on a des droits, mais aussi des devoirs. Donc, ça permettra, sous l'inspiration du plan Marshall, mis en place par Georges Marshall en 1948, qui a boosté l'économie européenne occidentale. D'ailleurs, en 1963, ça a été fait par Augustin Frédéric Kodok, le premier régime. On a vu les hommes d'affaires émerger. Donc, sauf qu'aujourd'hui, la CONI, la Commission nationale d'investissement, va les accompagner. Bref, nous avons des sociétés en béton. Je salue d'ailleurs tous les quarantistes, les militants du PVA 48 aujourd'hui, qu'on appelle les quarantistes, qui défendent bec et ongle le quarantisme, qui est le tout premier courant politique africain. Donc, je fais confiance à ce peuple-là qui saura discerner le bon grain de l'ivraie pour porter Jean Malraux à la tête de l'État. Mais justement, il faudrait attendre 2025 pour que ce projet de société se concrétise, parce que la prochaine élection présidentielle aura lieu exactement en 2025, si on se fie au calendrier électoral, vu que l'actuel chef d'État a été élu en octobre 2018. Il faudrait attendre 7 ans. 7 ans, président Ngos, vous allez attendre jusque-là, ou on peut espérer que miracle se produise et que, par précipitation ou par, pourquoi pas, le soutien des initiés que vous évoquez tout au long de vos discours, vous propulse à la tête de cet État? Vous savez, il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans vocation. Il n'y a pas de vocation sans création. Il n'y a pas de création sans créateur. Il n'y a pas de créateur sans création. Alors, ce que je dis, c'est que M. Thierry Niopé, tout est ordre et méthode. Parce que tout est ordre et méthode, Dieu le maître du temps et des circonstances. Parce que tout est ordre et méthode, le Cameroun, son leader avait dit on sera prêt le jour dit. Mais le jour dit on sera en train de regarder la canne à la télévision.
Psaume 127, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Vous savez, depuis le roi Salomon, depuis le roi David, je suis le deuxième psalmiste au Cameroun, dans le monde entier. J'écris les psaumes à l'Éternel, 6 psaumes. Chaque fois que je suis dans l'avion, je rédige les psaumes. Donc, comme David aujourd'hui, je suis psalmiste. Donc, psaume 118, ne vous confiez ni aux hommes ni aux grands, confiez-vous en l'Éternel, en l'Éternel seul. Si vous dites que vous serez chef de l'État parce que vous êtes proche du président français qui est votre ami, s'il a une crise cardiaque la nuit, votre ambition, votre rêve s'évapore. Sauf qu'ici, ce n'est pas une ambition, c'est une mission. Et quand le successeur est prêt, le processus de succession se déclenche. Le président Bongo, je vous rappelle qu'il devait organiser une CAN en 2012, mais Ali était prêt, le président Bongo est parti en 2009. Je dis donc aujourd'hui sur votre média, M. Thierry Niopran, vous regardez les yeux dans les yeux, c'est la date du 22 octobre 2021. L'actuel chef de l'État encore assis à Yaoundé, comme chef de l'État. Moi, je suis pendant les prophéties, on va m'assimiler à certaines personnes que je ne veux pas citer. Non. J'assume. C'est la date du 22 octobre 2021, au nom du Dieu que je sers, Elohim Alpha Omega. Les Camerounais seront là, en ça. Ils reconnaîtront qu'il y a un Dieu au ciel, par qui tout arrive. Si l'actuel chef de l'État est encore aux affaires, comme chef de l'État du Cameroun à Yaoundé, moi, j'abandonne la politique. Je ne vous parlerai plus jamais de politique. Je changerai même peut-être de nationalité. Et notez-le en noir et blanc, Pharaon disait que cela soit écrit. Et ma mère qui enterra son laine devra, avec mon père, me montrer qui sont réellement mes parents. Ils devront venir me montrer mes parents. Ça veut dire que je ne suis pas le fils de mes parents. Et en ça, vous reconnaîtrez que je suis une podole. Au nom du Dieu que je sers. Donc quand le successeur est prêt, le processus de succession se déclenche. Attendez, vous verrez, M. Thierry Niopran. C'est sur ces mots, en point de... à la fois de sagesse, de prophétie, mais également de courage, parce qu'il faudrait le souligner, que nous allons mettre un terme à cet entretien. Si vous avez un mot à ajouter, ça sera lequel? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous parlez de courage. Je vous rappelle que l'État camerounais n'est pas plus répressif, que l'a été la Libye de Ben Ali, que l'a été la Libye de Kadhafi, la Tunisie de Ben Ali, l'Égypte de Moubarak. Ils ne sont pas plus répressifs que l'est la France de Macron aujourd'hui. Donc je dis... si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je suis le prochain chef de l'État du Cameroun. Et les Camerounais doivent se préparer à bâtir ensemble cette nation nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. Je n'ai pas de mot de fin parce que la tâche est immense. Elle est certes ardue, mais elle est tout aussi exaltante à la fois. Merci à vous d'être venu à moi. J'espère tout simplement avoir apporté des réponses claires, précises, audibles aux nombreuses questions qui étaient vôtres. Et c'est avec plaisir, c'est fort aise que je vous recevrai la prochaine fois encore, si vous conviez bien sûr. Merci, Ompondole Jean-Marc Ngos. Vous l'avez suivi, madame, monsieur. Le prochain chef de l'État du Cameroun ne lésine aucunement sur les moyens. Il a les moyens de sa politique. Vous l'avez écouté tout au long de cet entretien. Il est déterminé à atteindre, à arriver au bout de cette prophétie qui fait les choux gras des réseaux sociaux et de la presse, tant nationale qu'internationale. On lui souhaite beaucoup de chance dans cette exaltante mission. Merci également à vous de nous faire une fois de plus confiance en nous suivant à travers l'entretien sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision, la chaîne panafricaine. Restez des nôtres.